Les singes araignées sont des singes qui font partie de la sous-famille des Atinés, de la famille des Atelida. Les singes araignées sont de grands singes du Nouveau Monde qui vivent dans les forêts tropicales humides du centre du Mexique au nord jusqu'à la Bolivie au sud. Il existe cette espèce de ces primates agiles, qui tirent leur nom de la façon dont leurs longs membres et queues ressemblent à des pattes d'araignée lorsqu'ils pendent des branches et se balancent à travers la cime des arbres. Quatre longs doigts sur chaque main les aident également à saisir les branches. Ils ont aussi des pouces, mais ceux-ci sont extrêmement courts. Leur locomotion d'arbre à arbre, appelée brachiation, est la façon dont ces échangistes se déplacent. La queue du singe araignée est préhensile, ce qui signifie « capable de saisir ». Il est généralement plus long que le corps de l'animal et agit comme un cinquième membre, une adaptation à la vie dans la canopée des arbres. Il peut supporter tout le poids corporel d'un singe araignée et lui permet de s'accrocher aux branches, libérant ainsi ses mains pour qu'il puisse grimper, se nourrir et manger. Chacune des sept espèces de singes araignées diffère par sa répartition géographique et son apparence, bien qu'elles partagent certains traits et comportements physiques. Les singes araignées à ventre blanc, qui vont de la Colombie au Pérou, par exemple, ont un pelage allant du noir au châtain avec une légère tache sur le front et une bande de poils blancs à beige du menton au ventre. Les singes araignées à face rouge sont couverts de longs poils noirs, à l'exception de leur visage, de leurs mains et de leurs pieds nus. Le régime alimentaire de cet animal se compose principalement de fruits, ainsi que de feuilles, de noix, de graines et parfois d'arachnides et d'insectes. Les singes araignées sont d'importants disperseurs de graines pour leurs maisons de forêt tropicales. Lorsque les animaux mangent des fruits et des noix des arbres, puis continuent leur petit bonhomme de chemin, ils finissent par déféquer les graines et répandent les espèces d'arbres dans toute la région. Entre 50 et 90% de la dispersion des graines dans les forêts tropicales est effectuée par les animaux. Les singes araignées sont sociaux, vivant en groupe de 40 membres maximum. Au sein de ce groupe, des sous-groupes plus petits se séparent souvent pour se nourrir. Une étude de 2014 sur les singes araignées mexicains au Belize a révélé que les mâles et les femelles passaient leur temps différemment. Les femelles mangeant et se reposant davantage et les mâles mangeant plus de fruits mûrs et voyageant. Les mâles sont probablement en mouvement parce qu'ils patrouillent leurs frontières et attaquent d'autres troupes avant de revenir vérifier les femelles. Les singes araignées peuvent lâcher prise avec leurs bras et se suspendre par la queue pendant qu'ils jouent et luttent les uns avec les autres dans la canopée de la forêt tropicale. Les bébés singes araignées enroulent également leur petite queue autour de la queue de leur mère pour plus de sécurité lorsqu'ils se promènent sur son dos. Les mâles et les femelles des singes araignées sont connus pour avoir de multiples partenaires sexuels, mais leurs comportements reproducteurs sont difficiles à documenter, même en captivité, et n'ont même pas été observés avant les années 1970. Mais il y a eu quelques découvertes. Une étude de 2010 sur le singe araignée à face noire a révélé que les mâles doivent se démener pour trouver et s'accoupler avec les quelques femelles réceptives en une seule période d'accouplement. Il a également noté que la plupart des rendez-vous galants avaient lieu en secret. Comme les autres primates, les singes araignées forment des consorts dans lesquels les mâles et les femelles s'apparient et quittent le groupe pour des périodes aussi courtes que quelques jours. Ces jumeaux singes ultra rares ont des pairs différents.
Les singes araignées ont une longue période de gestation, de 7 à 7,5 mois. Ils n'ont pas une seule saison de reproduction, mais un singe araignée attendra environ 2 à 4 ans avant de donner naissance à nouveau. Les bébés naissent avec des poils sur tout le corps, à l'exception de la peau nue autour des yeux de leur visage de bébé. Pour la plupart impuissants, les nouveau-nés s'accrochent à leur mère, qui assure les soins parentaux, et ne sèvrent pas avant 2 ans. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, toutes les populations de singes araignées sont en déclin. La population sauvage la plus stable, celle du singe araignée guyanais de Guyane française, du Suriname et du Brésil, est toujours vulnérable à l'extinction. Les activités humaines, notamment l'agriculture, l'élevage et la construction de routes, détruisent l'habitat du singe, même si une grande partie de son domaine vital est protégée. La population la moins stable est le singe araignée brune, que l'on trouve en Colombie et au Venezuela. Ces animaux sont en danger critique d'extinction, une distinction qui les place à 2 pas de l'extinction. Ils sont une cible favorite des chasseurs, qui les abattent pour le sport et pour fabriquer des médicaments pour traiter une variété de maladies allant des rhumatismes aux morsures de serpents. Leurs maisons forestières sont également défrichées pour l'élevage de bétail, l'agriculture, l'exploitation forestière et les établissements humains. Les poches de forêt qui restent peuvent ne plus être durables et il ne reste que 20% de la répartition historique de l'espèce. Certaines protections ont été mises en place pour cette espèce, y compris des programmes de sensibilisation locaux au Venezuela et des enquêtes en cours pour trouver les espèces et les forêts qui pourraient potentiellement être protégées en Colombie. La perte d'habitat causée par l'homme menace également d'autres espèces de singes araignées. Le régime alimentaire du singe araignée d'Amérique centrale nécessite une grande partie des fruits que l'on trouve généralement dans les forêts qui diminuent rapidement. Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.